Ah, cette heure-là, vraiment sympa. Il n'y a personne. Bien bonjour tout le monde. Le réveil au bord de l'eau, dans une mauvaise nouvelle technique. Je vais d'abord aller marcher, boire ma chicorée café, et après on verra mon problème technique. Super agréable de marcher dans l'eau. Toute seule dans l'eau, alors là, il n'est même pas très très tôt, hein. Il est un peu plus de 9h je crois. Allez, je vais retourner doucement en marchant dans l'eau pour régler mon problème mécanique. Et voilà le problème mécanique de bon matin. Crevé, bien crevé. Avec la chicorée café, je m'offre de la lecture. Car je n'ai aucune idée d'où se trouve la route secours. Et voilà, qui est là? Bonjour! Pour une fois, c'est vraiment un événement exceptionnel. J'étais debout, habillée et dehors avant Ambre. Yes! Pour m'annoncer la mauvaise nouvelle! Yes! C'est moi qui ai vu quand je suis revenue de ma petite balade avec Domino à la plage, qu'elle a une roue crevée. Et bien maintenant, il faut se mettre à la recherche de la roue de secours, voir dans quel état elle est, et puis elle a changé. Voilà, le boulot pour un dimanche. Oh oui, alors C'est capricieux, ces bestioles. Oh purée, tu vas encore me dire, regarde, elle est traviole. Oui, elle c'est est vrai, traviole. Elle est traviole, mais on s'en fiche. On est traviole nous aussi. Oh ben écoute, hein, pour un petit dimanche comme aujourd'hui, j'ai trois paires de lunettes là, t'as vu ça un peu. Aïe aïe aïe. Moi je trouve que ça a été un chouette dimanche. Ouais, ouais. Pas trop bien commencé ce matin avec un trou, un clou dans un pneu, mais finalement ça s'est très bien résolu. Bon, ouais. Impeccable. Ça m'a coûté 30 euros. Ouais. L'assurance va me rappeler pour la 15e fois pour savoir si tout va bien. Ça par contre c'est rassurant. C'est vrai, ouais. Ça fait du bien. Ouais. Et puis je suis contente parce que voilà, ça y est, je... On peut repartir demain. Je prône la cool attitude et là j'ai vraiment... De toute façon je peux rien y faire. Non. Théoriquement on aurait pu partir à 14h parce que tout a été terminé à 14h, ouais. Même avant. Ouais. Mais finalement, on n'avait pas envie. On n'avait pas envie. Ouais. On est bien là. On a traîné, on est bien. Christa a presque fini sa cuisine. Ouais, je vous montrerai le résultat quand ça sera terminé. Pardon. Et puis, Voilà. J'ai fait la vaisselle, j'ai fait une montagne de vaisselle. Elle avait une semaine de vaisselle en retard. Quoi. Bon, pas une Et semaine, moi, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait ma petite vaisselle. Ouais. J'ai travaillé un tout petit peu. Ouais. T'as eu 12 appels. Et puis c'est tout. C'est très bien pour un dimanche. Et là, on boit tranquillement un petit café. On vient de manger une glace, notre dessert. Ouais. Voilà, mais c'est très bien comme ça. J'aime bien des dimanches comme ça, c'est nickel. Sans prix peut-être. Ouais. Là, je crois qu'on va être vraiment les reines de la cool attitude. Hein. Voilà. Ah. Le chien paralysé est toujours là derrière, il va bien. Ouais, il va bien aussi. Il est sympa, mais franchement, il est super chouchouté, donc ouais. J'adore. Ouais, il s'occupe vraiment bien de son chien. Ouais. C'est vrai. Voilà. Mmh. Et là, vous voyez deux femmes complètement. Non, on n'a pas fumé la moquette. Non, on n'a pas vu non plus, on n'a pas vu une bière. Et on a fait plein de bisous. Au dépanneur. Et c'est pas nous qui avons voulu, c'est lui qui a voulu nous faire des bisous. Hein. Voilà.
Donc, non, nous ne sommes pas des... L'inconvénient avec les Espagnols, ils te posent une question en espagnol, tu réponds plus ou moins correctement, ah oui, ben... et eux, ils ont persuadé que tu parles espagnol parfaitement. Alors, après c'est parti, tu ne comprends plus rien. À un moment donné, je lui ai dit par là. De temps en temps, un mot par-ci, ouais. Par là. J'ai dit de parler un peu plus lentement parce que, bon, voilà, quoi, à un moment donné, je ne comprenais pas tout. Déjà, s'il m'avait parlé en français, je n'aurais pas compris tout ce qu'il me disait de mécanique. Mais en plus, en espagnol, alors là, j'étais complètement paumée. Mais non, 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 j'ai demandé une fois, deux fois qu'il parle plus doucement. Non, non. Mais il n'y avait pas moyen, quoi, non, voilà. Non. Mais le résultat est là, il a réparé, je peux faire des milliers de kilomètres avec ma roue. Voilà. Et le résultat, j'insiste. Parce que je sais que c'est un exercice très difficile pour moi. Je vous le dis, comme ça vous serez témoin. Si jamais je ne le fais pas, vous me le relancerez. C'est mardi, téléphoner à Carabita pour leur dire ma façon de penser. C'est vrai, là, tu es un peu lâche, un peu lâche. Ouais, j'aime pas les conflits. Et du coup, je suis souvent dans la fuite parce que j'aime pas les conflits. Ouais. Mais là, je suis vraiment pas contente. On dirait pas, mais je suis pas contente. Grrr. Peur, là. Non mais mardi, il faut absolument que je téléphone à Carabita pour leur dire ma façon de penser, parce que c'est pas normal que je n'ai pas de roue de secours et ce n'est pas normal qu'il m'ait vendu. Déjà, je l'avais vu, Christa l'avait vu surtout, que j'ai des pneus d'avant, de devant, qui sont très usés. Ils sont pas à la corde, mais ils sont pas mal usés. Non, mais tu peux plus faire beaucoup de kilomètres avec, hein, à un moment, à l'autre. Et donc, je vais leur dire ma façon de penser poliment, certes, mais ma façon de penser est pire que quand je dis des insultes. Ouais, parce qu'en fait, quand tu dis des mots avec un grand sourire, et le sourire, vous savez bien, le sourire, même à travers le téléphone, ça s'entend. Oui. Mais les insultes sont, je trouve que c'est moins percutant que des mots polis avec l'efficacité du mot, tout simplement. Ouais, voilà, exactement, voilà. Et je sais que beaucoup de personnes qui me connaissent très bien redoutent quand je ne suis pas contente à cause de ça. On le sent tout de suite. Je cache mes roplo-plo. Encore. Je ne veux pas me cacher. Me changer parce que je sais qu'en fin de journée je vais aller marcher encore dans l'eau. Ouais. Parce que comme d'habitude, bah, j'ai pas changé, j'aime bien ça. Et puis ce soir ça va être encore cool. Ouais, je sais pas si je vais finir ma cuisine ce soir là, cet après-midi. Il est quelle heure? 4h, tu m'as dit 4h15. Oh ouais, là maintenant il est même plus. Hein. 4h15. 4h20 là, ouais. 4h20. Bon, mais je sais pas. Je sais pas. Si j'ai envie, ouais, sinon on verra un autre jour. Oh là là. De toute façon, il y a. Veremos. Tout est rangé, donc je peux utiliser ma cuisine sans problème. Ouais. C'est juste la décoration. Alors, voilà, tout fonctionne. C'est juste un bout de décoration, quoi. Bon, j'espère que toi, t'as passé un bon dimanche. Chez toi, où que tu sois. Nous ici, il fait très gris là d'un seul coup. Mais ça fait du bien. Ouais, le soleil tape un peu moins. Je sais pas, y en a qui ont demandé la température, je sais pas combien. On sait rien. Mais dehors, ça peut monter à près de 30. Hein. Lunettes. Mais de toute façon, même en France, il fait chaud encore. Hop, là, il m'affiche l'heure, la date. La température, je sais la pas. La température. Là, il fait plus frais. Il m'affiche la température de Bordeaux. Ah ouais. Il fait 29 à Bordeaux. Non, mais de toute façon, quand il y avait du soleil, je pense que ça devait largement toucher les 30, voire au-dessus. Et là, maintenant, c'est couvert, donc il doit faire moins, mais il fait bon. Alors, je te fais plein de gros bisous. Fais une belle journée. Hein? Ciao. Ciao. À demain. Ciao.